Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue sur Mist of Pandaria Raw Remix. On est bien, il reste quelques jours encore sur le serveur, on en profite, je suis niveau 26 actuellement. On fait la campagne toujours, le cœur du serpent, alors, on va aller voir. Mais je crois que j'ai des choses à rendre ici. On a des choses à rendre au monastère. Bon, on va rendre déjà les quêtes au monastère, puis nous allons continuer le leveling en faisant la campagne. Donc le monastère, c'est facile, c'est juste là. Hop, on prend de l'altitude. On va rendre nos quêtes. Boum. Voilà, facile. Lynn, oh, patte de velours, un invité courtois. J'espère vous. Les roses oranges mûres sont ici. Adieu, que hop, c'est fait. Parler avec le grand ancien chute des nuages dans la cour du banquet au monastère de Tion. Ça, on peut faire. Parler à un gars dans un... Ici, là, ce sera là-bas. Et là, j'ai au niveau du bazar infini, une quête à rendre. Un nouvel horizon. Tiens, on va y aller un petit peu à pied. C'est vrai qu'on vole un peu dans tous les sens, en mode rapide, et qu'on prend rarement le temps de se promener comme ça. Bah c'est plaisant. Ah, je crois que j'ai mes 5000 bronzes. Je vais pouvoir dépenser mes bronzes pour acheter un skin. Allez, on va faire ça. C'est parti. On va vérifier avant. Hop, tenue, nouvel horizon. Hop, 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 des bronzes, un trésor. Un trésor, parfait. Regardez, je vais vous montrer. Donc on récupère déjà les bronzes ici, un fil de soie. Les coffres, je les ouvre une fois. Je suis avec 5900, c'est-à-dire que je peux acheter une tenue complète de collection. Alors, on va regarder un peu ce qui se fait. Les tenues d'outils de raid. On va regarder. Le mage prêt de démo. Déjà, on va faire que pour ce qui est pour guerrier. Personnage mage prêt de démo. Alors, moi, je veux guerrier. Toutes les spé. Alors, pourquoi j'ai des trucs qui vont quand même... Prête démo, mage prête démo, mage prête démo. Ah. Ici. Chasseur, démon, druide, moine et voleur. Démon, moine, voleur, démon, voleur, moine, voleur, moine, voleur, moine, voleur. Druide, non, 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 moine, voleur. Toujours pas. Évocateur, chaman. Et chasseur. On va y arriver, au bout d'un moment. Non. Ah, voilà. Regardez. Ces apparences aux infos au personnage chevalier de la mort, paladin et guerrier. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a ce stuff là, ouais. Celui-ci, ouais. Celui-là. Ça c'est rigolo. C'est l'ensemble armoire de bataille de l'effroi insatiable. Pourquoi pas? C'est trop coloré. Ouah, ça pète. Ça c'est un peu trop. Mais le côté brillant qui fait de la lumière, j'aime beaucoup. Ouais. 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 Alors, waouh. Trop bronze par contre. Ah ça j'aime bien. Ça fait un peu tribal. Pour l'instant je réserve ça. Ardois de bataille de maraudeur préhistorique. Alors on garde ça en tête. On va quand même regarder les autres stuff disponibles. Prête démo. Bon j'ai l'impression que c'est toujours classé un peu de la même manière. Tant mieux, ça facilite les recherches. Chasseur machin. Ah voilà. Chasseur. Paladin guerrier. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? C'est un peu les mêmes trucs, hein, on est d'accord. Oh, c'est rigolo ça, ensemble tenu de combat du tigre blanc. Ouais, pas convaincu, ça j'aime bien. Hein. Trop jaune, dommage. Bon, ça se ressemble un peu de ce qu'on a vu. En fait, j'aime bien quand ça, quand y a des petits effets, des halos et tout. Toi, c'est un peu le même ça. Arnaud et de bataille du maraudeur préhistorique, c'est le même. Sauf que ça clignote pas pareil, tu vois. Le préhistorique. Ah, je préfère en violet. Bon, vous savez quoi? J'achète. Alors, comment on fait? Je prends ça. J'achète. Hop. Et normalement... Là, j'ai toute la tenue qui est faite. Donc, toute la tenue est faite. Maintenant, on va se transfo... Machin, truc, mûche. Je veux me transmogriffer. Donc, je prends l'ensemble. Il est là. Et j'applique. Voilà, j'ai tout un ensemble qui est appliqué. Par contre, ce qui n'est pas fait, c'est la cape. On va essayer de se trouver une cape sympa. Est-ce qu'il y a des vendeurs de capes? Et l'arme. L'arme ne va pas forcément avec. Alors, amélioration, recyclage, tenue de classe. Bon. Non. Ah, lui, il va en arsenal, par contre. À savoir... Ouais, non, c'est pas ce que je veux. J'espère que vous trouverez la maîtrise dans vos passions. Le Béluber. Lui, il vend vraiment des montures. Là, c'est des tenues. Là, c'est des tenues. Lui, il vend des parchemins, des casse-croûtes, enfin des utilitaires.
Pas simple hein, de s'y retrouver quand on... quand on cherche un truc. Tenue de donjon, c'est des tenues. Cherchez la vérité. Acquisition de gemmes, on s'en fiche. Tenue de raid héroïque mythique, ce sont des tenues. Ah, là par contre, tu vois, ils vendent des armes. Par contre, la grande majorité... Ah, j'ai aussi là le truc pris. Non, par contre, pour les armes, tu vois, on est un peu limité parce qu'il faut une autre source, des eaux de Manoroth. Ouais, il faut des zones Manoroth, hein, rien à faire. Hein. Ah, ta barre de guilde, on s'en fout. Des ensembles, des ensembles, des ensembles. Bon, ça me paraît. Ah, peut-être la collection. Ah, là, il y a peut-être moyen. Ah, c'est des jouets, c'est vrai. Ok, bon, on est limité, c'est pas grave. Je vais regarder dans mon stock personnel. Donc, on a dit la cape. Bon, la tête, ça j'aime bien. Homme fracassant de Tranok. Transmogrifié en plaque d'épaule rigide de Kruguk. Alors. Comment j'enlève? Ok, ça c'est de base. C'est ça? Ça c'est le skin de base. Ok, j'ai compris. Ok. Bon, alors. L'arrière. L'arrière, qu'est-ce qu'on peut mettre qui va avec? J'ai quand même 5 pages. Ouais, non, ça c'est moche. J'ai du violet devant. Là, je suis vraiment dans du stylisme pur et dur. Non, ça va pas en rouge comme ça. Quoique, j'aime bien. Non. Rouge court. Pour l'instant, je mets une option sur le rouge court. Qui me choque pas. Que je trouve que ça passe. Non, sans dire. Le rouge long aussi, je sais pas, j'aime bien. Oh, prune. Un peu prune comme ça, là. Cap hérité du baron noir. Pourquoi pas. Ça pourrait aller. Je me la mets en option. On en profite, on a beaucoup de choses en stock. Alors j'aime pas quand c'est trop matelassé. Ah, j'aime pas ça, il y a trop de détails. Il y en a des biens, hein. Mais je sais pas, il y a trop de détails, elles sont ternes. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont, je les trouve très ternes, enfin... détaillées mais ternes. Ah, trop court. Trop... c'est rigolo ça. Mais j'aime pas la forme que ça. Ouais, c'est pas ouf. Déjà des bonnes idées. Il y a des capes qui ressemblent pas à des capes. Bon, quoique, ça c'est violet, ça va bien avec. Allez, j'applique. Ça, je le prends. Maintenant, il manque pour mon arme. Qui est un espèce de fendoir. Une hache de main. Donc, qu'est-ce qu'on peut pouvoir se mettre à la place? Bon, ça, ça fait préhistorique, c'est dans le thème. Ça manque, ça brille pas assez, par contre. Moi, je voudrais que ça puisse briller un peu. Finalement, c'est pas si dégueu, ma hache, là, pleine de sang, là. Regardez. Ça vous choque ou pas? Moi, ça me choque pas. On va... c'est sûr qu'on pourrait avoir mieux. On peut avoir genre un truc qui fasse un peu, par exemple, de la foudre. Ça irait un peu mieux. Mais je suis plutôt convaincu par ce set. Donc on va garder ce skin-là qui me plaît beaucoup. Et puis on est bien. Les amis, à très bientôt pour la suite sur WoW Remix.